Je m'étais vraiment pas mis cette pression de me qualifier ou quoi que ce soit. J'ai pris beaucoup de plaisir et avant la course, j'étais souriant, j'étais content et j'ai fait une bonne nuit avant ma course, ça m'arrive quasiment jamais. Déjà de revenir au championnat du monde, de reporter les équipements France, ça faisait déjà chaud au cœur. Vraiment, quand je suis arrivé ici, je me suis mis dans ma bulle et puis je remercie aussi le staff de l'équipe de France parce que dès que je suis arrivé ici, on s'est vraiment mis dans une bulle pour que je sois au rendez-vous aujourd'hui. Representing France, two-time world medalist Logan Fontaine. Representing France, five-time Olympic and world medalist Marc-Antoine Olivier. C'est l'expérience et puis le plan qu'on avait en amont avec tout le monde. C'était de se préserver un maximum et garder son énergie pour le sprint final. Et c'est ce que j'ai fait. C'est le jour de la course. Tout peut se passer, surtout en eau libre. J'ai tenté des choses. C'est que je me sentais bien, j'ai voulu tenter. Maintenant, peut-être qu'en gardant de la réserve, ça aurait pu finir. Mais bon, avec des peut-être, on va loin. Donc j'ai tenté, je regrette pas. Même s'il y a quand même un petit goût amer et de la frustration à la fin. Mais malgré tout, satisfait. Depuis que je nage, je crois que ça a été ma plus mauvaise préparation et la fois où je me sentais entre guillemets le plus faible avec ce que je pouvais faire aujourd'hui, mais voilà, c'est le sport de haut niveau. Je me suis senti bien vraiment tout le long de la course et c'est vrai qu'à la fin, en fait, le fait d'être devant, c'est pas moi qui contrôle par où je vais me faire doubler et comment ça va se passer. Donc c'est vrai que c'est à ce moment-là du coup que je me positionne pas là où il faut. Mais j'ai tenté et puis c'est cool, ça met en confiance. On sait hein, que Marco il est fait pour cette discipline-là, bon, voilà, Logan, sans rien retirer à Logan parce qu'en fait c'est un grand talent aussi. Mais aujourd'hui quand même, je veux dire, si tu veux faire de l'eau libre, je pense que la course tu peux la regarder plusieurs fois. Frustré, non, je ne suis pas frustré parce que pour moi elle est inimaginable cette médaille. Mais c'est vrai qu'à un moment je pensais que j'allais le rattraper, mais ouah, là j'ai vu qu'il me manquait quand même un gros step pour le passer. De l'entraînement. Voilà Lolo, je suis très très fier de ce qu'il a fait aujourd'hui. Il y a des trucs à voir sur le plan stratégique peut-être, mais voilà, Philippe et Bertrand ont fait un super boulot avec lui et je suis vraiment content pour lui. Étape par étape, maintenant c'est les Jeux. Il va y avoir encore beaucoup de travail pour arriver au meilleur de sa forme à Paris. Effectivement, c'est un soulagement. Maintenant, comme je l'avais dit, c'était étape par étape et puis il y a plus grave dans la vie que de ne pas se qualifier aux Jeux, donc en fait je m'étais déjà enlevé cette pression là avant. Donc j'arrive et je suis juste content et il y a quand même beaucoup d'amertume pour cette quatrième place. Quoi. Je vais chercher une médaille, mais on avait dit que le but principal c'était d'aller chercher une qualif au jeu. Et en plus de ça, je vais faire mes troisièmes jeux, je vais les faire à Paris et je ramène une médaille d'argent pour la France. C'est énorme. Elle est belle, hein? Ouais, elle est belle. Très belle. Une des plus belles que j'ai eues. C'est magnifique, on a 4 qualifiés. C'est la première fois dans l'histoire de l'équipe de France d'Olive qu'on a 4 qualifiés, 2 filles et 2 garçons. Donc, ça, c'est une très très belle satisfaction. Et puis voilà, ça fait plaisir de voir ces jeunes en fait nous créer des émotions. C'est pour ça qu'on travaille toute l'année et qu'on essaye de les accompagner.